c'est Sabrina. Alors aujourd'hui, je reviens avec un tuto coiffure que je faisais beaucoup quand j'étais adolescente. C'est une sorte de chignon en fait. Moi, j'appelle ça le chignon fleur. Vous verrez quand je vous expliquerai pourquoi. Ça fait un peu comme ça là, vous voyez? Hop, ça fait des petites pétales, on va dire. Et c'est assez simple et rapide à faire. Donc, je me suis dit pourquoi pas vous le proposer. Si ça vous intéresse, on continue à regarder. Vous allez avoir besoin d'un élastique, de pinces assez petites, d'un peigne ou d'une brosse, des pinces plates pour cacher les cheveux rebelles et de la laque. On commence par faire une queue de cheval ni trop haute ni trop basse. On la fait à mi-hauteur. On commence par séparer la queue de cheval en deux parties. On prend la section du bas et on va récupérer une petite mèche avec laquelle on va former une boucle qu'on vient attacher avec une petite pince. On recommence l'opération autant de fois que nécessaire. On va ensuite pouvoir faire la même chose avec la section du haut. Assurez-vous de garder les pointes qui dépassent à l'intérieur des boucles qui forment le chignon pour un effet plus soigné. N'hésitez pas à ajuster les boucles pour qu'elles aient pratiquement la même taille chacune. Pour finir, on donne un coup de laque à la coiffure et on vient lisser les petits cheveux. Voilà, la coiffure est terminée. Voilà, maintenant vous savez comment faire un chignon assez volumineux, quel que soit le type de vos cheveux. Donc n'hésitez pas à le reproduire et à me mettre vos photos sur Instagram. Comme ça, je pourrai voir un petit peu ce que ça donne sur d'autres cheveux que les miens. Et donc, si ça vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Après tout, c'est gratuit. Et puis comme ça, vous pourrez voir les futures vidéos. Enfin, vous serez averti des futures vidéos dès qu'elles seront postées. Et puis, vous pouvez me suivre donc sur Instagram, Facebook, Twitter. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et voilà, on a fini. J'espère en tout cas que vraiment ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye!